قناة أطلس تعود في هذه الحلقة إلى الالتقاء بالجالية المغربية عبر العالم. الجالية المغربية عبر الولايات المتحدة وكذا أوروبا، نتعرف على بعضهم من خلال روبورتريهات عن مسار حياتهم قبل وبعد الهجرة، التغيرات التي طرأت على حياتهم ومدى ارتباطهم بالوطن بعد سنين مرت على هجرتهم. أبو بكر شاب أنشأ مقاولة في مجال الاستشارة القانونية والمالية والعمليات التجارية والبنكية، مجال يجد إقبالا من طرف بعض المواطنين الأجانب الذين يدخلون في علاقة مع الأبناك الفرنسية إما للاقتراض أو الرهن أو بعض المعاملات الأخرى التي تتدخل فيها المقاولة كوسيط بين الطرفين. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de l'association EDIM, Association d'innovation pour le développement économique et immobilier. L'association EDIM est une association qui est née de la volonté de quelques consommateurs français qui étaient soucieux d'avoir une certaine éthique dans leur rapport avec la banque. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'acheter des maisons, par exemple, sans passer par le crédit à intérêt. Parce que les musulmans, eux, ne peuvent pas recourir au crédit à intérêt bancaire parce que riba, c'est quelque chose qui est interdit dans la religion musulmane. Alors, en 2005, un petit peu même avant, 2004-2005, il y a quelques individus qui se sont réunis autour d'une table pour réfléchir ensemble à comment on pourrait trouver des solutions financières d'accession à la propriété en France, donc sans passer par un crédit, pour faire simple, je vais l'appeler le crédit ribawi. Puis au fil du temps, il y a d'autres personnes qui sont venues se joindre à la réflexion, des personnes qui n'avaient pas envie d'acheter de maison, mais qui avaient envie de financer leur entreprise, par exemple. Pareil, ils étaient confrontés à comment faire pour lever des fonds sans passer par un interdit, ce qui est celui de l'intérêt. Beaucoup de musulmans se demandent comment peut-on acheter sa maison. C'est vraiment le premier sujet sur lequel on s'est tous réunis, parce qu'on était déjà nous-mêmes consommateurs et nous-mêmes demandeurs. Nous-mêmes, voilà, on est tous jeunes, alhamdoulilah, on bénéficie tous d'un certain cadre de travail, d'une certaine capacité à investir. Et quand on n'a pas suffisamment d'argent, on est obligé d'aller vers qui ? Malheureusement, vers la banque, ou sinon il faut se tourner vers sa famille, et là c'est un petit peu, ou ses amis pour emprunter, sinon c'est un petit peu plus compliqué. Et donc il a fallu qu'on réfléchisse ensemble. Voilà, c'est là que des spécialistes du monde de la finance, des spécialistes du monde de l'immobilier, et puis il y avait quelques autres personnes qui sont venues se joindre à nous déjà pour réfléchir à ça. Et puis ça, c'est vraiment le cœur de l'association. Puis comme je vous le disais tout à l'heure, il y a d'autres sujets qui sont venus se joindre, qui sont venus se greffer à la réflexion. Comment faire pour développer son entreprise? Là aussi, on a identifié beaucoup de choses qui existent dans le corpus réglementaire et juridique français qui permettent de faire du financement pour les entreprises qui est aussi compatible avec les principes de la finance islamique, certainement, que nous allons développer. On en vient maintenant à la partie qui va porter sur les contrats. Quels sont les outils, quels sont les instruments juridiques les plus répandus en finance islamique? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un petit rappel. Vous avez vu les fondamentaux avec le professeur Mohamed Béchir. Alors, quels sont donc ces rappels? Quels sont ces fondamentaux? Comme vous pouvez le voir à l'écran, alors, l'objet d'un contrat ne peut en aucun cas porter sur une activité ou sur un produit considéré comme illicite. Alors oui, on a rencontré des difficultés qui sont de différents ordres, des difficultés techniques sur certains sujets. Hein. Faire un financement islamique, quand vous dites à un banquier, écoutez, nous on ne veut pas d'intérêt, la finance islamique interdit les intérêts, mais par contre, on veut faire des transactions commerciales. Je vais donner juste un exemple, il y a plusieurs transactions islamiques possibles, je vais en donner juste une. Par exemple, la banque, au lieu de vous prêter de l'argent, elle va vous acheter la voiture, que vous voulez, pour laquelle vous voulez faire un emprunt, et puis elle va vous la revendre. Et bien entendu, elle va vous la revendre moyennant une petite marge bénéficiaire, petite ou plus importante marge bénéficiaire. Alors déjà là, dans l'esprit de Monsieur Tout-le-Monde, on lui dit oui, mais ça revient au même. Certes, si le résultat comptable revient au même, parce que si vous empruntez 10 000 et que vous remboursez 14 000 avec les intérêts, la banque islamique, elle va acheter la voiture 10 000, elle va vous la vendre 14 000. Et puis vous allez payer les 14 000 sur le nombre d'années sur lesquelles vous êtes mis d'accord avec elle.
Donc le résultat comptable, c'est le même. Mais quand vous dites à un banquier qu'il faut acheter la voiture pour la revendre, ah ben là, il va vous dire non, moi je n'achète pas de voiture. Moi je ne suis pas un vendeur de voiture. D'accord ? Je ne suis pas un vendeur de maison, ce n'est pas mon métier. Et ça, c'est une des règles islamiques fondamentales. Pour gagner de l'argent, il faut prendre un risque. Donc, et ce risque-là, il est pris au moment où on devient propriétaire. Et là, je dis en l'occurrence, dans cette opération-là. D'accord ? Donc, un banquier, quand vous lui expliquez un peu comment ça marche, il comprend effectivement que ce n'est pas du tout la même chose. Même si le résultat économique est le même. Dites à un banquier, achetez-moi la maison qui coûte 100 000 et puis revendez-la moi à 220 000. Et je vous paierai en 7 ans, 8 ans ou 15 ans, peu importe. Vous allez voir qu'il ne va pas du tout réagir de la même manière. Non, lui, ce qu'il sait faire, c'est prêter de l'argent. Et quand on prête de l'argent, on ne prend aucun risque, si ce n'est le risque de crédit. Alors que quand on achète pour revendre, avant de revendre, on est propriétaire de l'élément qui est mis en vente. Si la personne n'achète pas, ou si entre-temps, la maison ou la voiture elle a brûlé, qui c'est qui supporte le risque de perte? Ce n'est pas le client final, c'est le propriétaire. Et donc à un instant T, c'est la banque. Alors c'est vrai que... Au départ, en tout cas, quand l'association a commencé à faire... وأبو بكر أجديري يعمل على ضبط الكثير من الجوانب الغامضة للزبون من الناحيتين القانونية والمالية. أما العلاقة مع الأهل والعائلة في فيجيك فهي تحصل كلما سنحت الفرصة بذلك. Je suis né au Maroc en 1977 dans une petite ville qui s'appelle Figig, qui est à la frontière algérienne. Et on a également une maison avec mes parents, une maison familiale, à la fois Figig, la maison historique des grands-parents et des arrière-grands-parents, et on a également une maison à Oujda. Donc voilà, donc le lien que je maintiens avec le pays, c'est mon pays natal, déjà première chose. Et puis depuis tout petit, mes parents ont fait en sorte que je maintiens ce lien en allant là-bas régulièrement. En fait, je suis arrivé en France à l'âge de 2 ans. En 1979. Donc, j'ai grandi, j'ai fait mes études et tout mon parcours scolaire et professionnel en France. Alors, une anecdote comme ça spontanément, et plusieurs anecdotes. Hein. Quand je vais au Maroc et que je descends à Oujda par l'aéroport et que je vais à Figig en autocar, donc il y a à peu près 400 km, mais l'autocar il met parfois plus de 6 heures. Étant donné que ce n'est pas l'autoroute, hein, c'est une route départementale qui est très, très petite et même dans certains coins très, très dangereuse. Ce qui me marque à chaque fois que je descends au pays et à Figig, c'est quand l'autocar s'arrête en plein milieu de la nature. Toi, tu es passager, tu regardes à droite, il n'y a rien, tu regardes à gauche, il n'y a rien. Et puis là, tu as quelqu'un en fait, qui tape des mains et qui dit « moi, je descends ici ». Voilà. Et après, le monsieur il descend avec ses sacs, ou la dame parfois, ou la famille. Tu ne sais pas où ils vont, mais c'est des nomades qui vivent... Tu sais pas où, parce que toi, tu regardes à gauche, à l'horizon, tu vois rien. Tu regardes partout, tu vois rien. Mais la personne, que ce soit des fois très tôt le matin ou parfois la nuit. Alors, cette double culture est bien entendu une forte richesse pour moi. Elle m'apporte beaucoup de facilité, bien entendu sur le plan du langage, sur le plan de la culture, etc. Je ne suis pas déphasé quand je suis là-bas ou quand je suis ici. Et puis, en même temps, je suis sans complexe. Je suis marocain et français à Paris, je suis marocain et français à Oujda ou à Figig et à Casa, donc alhamdoulilah c'est beaucoup plus des atouts et une force qu'une quelconque contrainte ou un inconvénient pour moi. Je pense que la France souffre, elle souffre à différents points de vue, elle souffre comme beaucoup de pays européens sur le plan économique et financier, bon, ça c'est un secret pour personne, mais elle souffre également sur le plan intellectuel, sur le plan sociétal. Malheureusement, les politiques français n'arrivant pas à sortir le pays de cette crise profonde dans laquelle il est sur le plan économique, ils secouent, ils agitent beaucoup de choses qui finalement ne servent à rien, et c'est juste pour occuper l'esprit du français. Au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, on occupe l'esprit de la population par des faux problèmes. Et donc là, ça, c'est vraiment manifeste. Alors, pour toute la famille, assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère vous voir très bientôt. Et puis, on reste en contact, Inch'Allah, depuis Paris. Aujourd'hui, avec les instruments de communication, c'est très facile de vous voir et de vous revoir. Mais il n'y a pas mieux que quand on se voit physiquement. Donc, j'espère vous voir très bientôt.